Zberti, bonsoir à tous et bienvenue ce soir pour la deuxième course de la Ligue C. On se retrouve à Austin pour cette deuxième course. Du coup, je me répète, de la Ligue C. Les premiers pilotes commencent à sortir. Donc, on a Noski qui est avec nous, mais qui est en train de manger. Il sera en retard, comme d'habitude. Mais pour l'instant, ce sera ma voix que vous écouterez. J'ai pas pu stream, j'ai pas pu cast la course d'hier malheureusement. Du coup, je me rattrape aujourd'hui pour cette Lixée en co-cast avec Noski qui va arriver un petit peu plus tard. Je vais partager le stream sur le Discord. Alors, comment ça se passe? Comment ça se passe? Tac. Le petit Discord qui est ici. Tac. Paf. C'est parti. Alors. Allez, premier tour lancé. Je vais afficher les détails. Ne vous en faites pas. La carte du circuit également. Slazer qui lance son premier tour avec son Aston Martin. Non, pas la télémétrie, c'est les données du tour que je voulais. Que j'ai enlevé ça. Je vous ferai un point classement en inter qualif course. Le classement, donc le résultat de la première course que j'ai regardé. Et il y a des très très bonnes surprises. Premier temps, référence de Slazer, une 34-4. Derrière, on a une McLaren qui arrive. La chaîne à l'envers, une 35-3. L'AlphaTauri qui lance son tour, celle de Hassanoul. Bonsoir, je suis ASMR. Oula, c'est différent l'affichage. Go McLaren depuis l'avion. Comment ça, depuis l'avion? T'es dans un avion, Elias, ou ça se passe comment là? Et bonsoir à tous. Bonsoir Brussati, bonsoir Elite, bonsoir Elias. Je loupe des temps du coup, super. Benito qui n'est pas en temps. On a Aikinono et sa Alfa Romeo. McLevin Back qui termine son tour. Quatrième temps, une 35.3. Derrière, on a Equinono qui arrive. Allez, Aki. Sixième temps, une 36.9. Croco et ça, Williams, une 34.5. Donc, comme je le disais, Noski va arriver plus tard. Il est en train de manger.
Qu'est-ce qu'on a? Il y a une as qui arrive. Celle de Benito, mais c'est coupé pour le pilote as qui relance son tour. On ira le surveiller plus tard. Hassanoul qui termine son tour. Septième temps pour l'AlphaTauri alors qu'on a un drapeau jaune et c'est Salva. Non, c'est la chaîne à l'envers qui a spin malheureusement. Clark qui lance son tour en médium, d'accord, ok, il va se faire des petits tours de chauffe. Samir qui vient de terminer son tour avec sa Ferrari, une 35.2. Salva qui lance son tour, il me semble. On a un drapeau jaune dans le secteur 2, mais ce n'est rien. Alors, qu'est-ce que ça dit? Eh bien, Neuski s'est lancé, ça y est, c'est parti. Mais du coup, t'as rejoint? Non. Si, bah si, je suis là. Ah, t'es là, ok. Bon, on va déjà on raille un peu, hein. Ouais, je disais que j'avais regardé la première course de la LXC et il y avait de très bonnes surprises. Notamment Warai. Mais à la saison 12, l'année dernière, il avait fait un test. J'avais roulé avec et franchement, il était chaud. Après, il a disparu et là, il est revenu. Et ouais, bah là, c'est un dixième P2 pour l'instant, sur sa première tentative ou son deuxième tour. Sa première tentative, là, c'est les premiers tours de tout le monde. On entend très bas nos skis, bah ouais, faudrait que je baisse au pire le son Ah, mais faut que. Attends, du je crois jeu. que je vais essayer de gueuler un peu. Salva, sixième temps, une 35.2. On a qui en tour là? Et Croco aussi, hein. Les trois petits crocos, là. Ouais. Mais la vraie question, c'est est-ce que ces pédales ont marché au départ? La fin du tour de Yep. Il y a P9. Yep P9, une Ah, ça, c'est 35.9. assez serré. Enfin, c'est. Le niveau il est assez homogène quand tu regardes le P9 et le P10 ils sont à 20 millièmes. Quand tu regardes le P7 et le P8 ils sont à 20 millièmes. Et après Ouais. t'as les gens devant. C'est vraiment des gros écarts et des petits écarts mais. Bah comme nous la saison dernière. Ouais bon après nous c'est différent mais bref. Farage qui rentre dans le top 10. Sparta qui lance son tour. Alors attends parce que j'ai pas le temps, j'ai pas eu le temps de lire le chat. Ouais, je disais l'affichage à l'écran, on voit une vue différente de d'habitude. Bah non, pourquoi? C'est juste que j'ai un écran large, c'est tout. Allez, Noski n'est pas avec toi. Si, si, il est là, mais ouais, on l'entend pas beaucoup, je sais. là, il y a Sparta qui est en tour, là. Donner deux tours. J'ai pas eu le temps de voir son premier secteur, directeur de course. Secteur en violet pour Sparta. Allez, Mercedes en XC. Bah, c'est la dernière course. Ah, oh là là. Bon, voilà. C'est les heures qui me coupent dans mon élan et qui prend la pole avec une avance de 80 millièmes pour l'instant sur Warai. Très serré, hein, mais Warai qui va retenter tout de suite. Mais ouais, la semaine dernière, Mercedes c'était P1 et P3, hein, donc Ça là on voit que ça donne un jeu d'aspiration donne Warai, l'aspi, Warai. ouais. Oh, ça a coupé, je crois, non? Ah non, j'ai pas trop regardé, mais je pense pas. Ah, je l'ai vu, il a quand même bien cut le.
Oh, il a pas l'air de d'annuler son tour, donc là il prend assez large. Non, je pense pas qu'il est coupé. Hein. On va voir, je pense qu'il va se placer dans le top 5, hein, mais. On va voir le temps de Sparta qui allumait secteur 1 et 2 en violet. Et c'est un sixième temps. Je pense que les secteurs en violet c'était buggé, mais je suis Ouais, pas j'ai sûr. l'impression qu'ils sont toujours buggés. Ouais. Moi je suis toujours secteur 1 violet, secteur 2 violet, secteur 3 violet au premier tour et je me retrouve P10 donc. Là Clark en médium. Mais j'ai vu dans le chat Discord, Clark n'était pas au courant apparemment qu'il n'y avait pas l'ABS. Ah Donc ouais? moi ça va être. Ouais, bah j'ai lu vite fait et. Et lui il pensait qu'il y avait l'ABS comme les dernières saisons, je pense qu'il a pas dû lire le règlement. Et du coup là, Aïe aïe aïe. attention à la dinguerie pour prendre. Et qui entoure là? Et la McLaren qui entoure avec 33 millièmes d'avance. Est-ce qu'il va pouvoir cela il améliore de 3 dixièmes, c'est la P5 hein, donc très serré encore une fois hein. Pour l'instant il y a donc les mêmes chronos que Sparta, ouais juste en dessous Il augmente de, il améliore de pas beaucoup. en 66 millièmes. Warai qui Warai en termine son grosse tour. amélioration, il prend 3-6. 33-6. Ça va se batailler entre les deux. On a Croco Ah, aussi qui est en plein tour. Croco a 7 dixièmes de retard, je pense pas que ce soit un très bon tour. Ah, 1 seconde 9. Ouais, non, il a Bon, lâché. non. Et qui entoure là? Clem Boulet. Ah, Benny. Ah, Beckenbauer, on va le voir. Ah non, il boxe. Il Mais il y a pit. Benito qui vient de start son tour. Benito. P15 pour l'instant. Mettez-vous sur Clark pour voir ce que ça donne. Bah Clark, Voilà en Clark qui va médium. pit. Donc. Clark, là, je pense qu'il fait juste du roulage, un peu, l'impression. Et c'est coupé pour Benito. Aïe aïe aïe. Ah, Tour il gratte vite, annulé. on va le voir pendant la course. Ça va être méchant. J'ai Et ouais, l'impression mais que c'est. Warai a relancé un tour directement là. Qui ça? Ah non, 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 j'allais dire que Warai relance un tour directement, mais il fait juste un tour de rentrée rapide. D'une bêtise. Oh, l'abandon de Yep. Aïe, 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 aïe. Allez, Aston Martin très en forme hier. Secteur 2. P2 et P4. Encore une fois, en haut du classement. J'avoue, j'ai pas regardé. Ouh, j'étais sur la cam d'Hassan, il a failli se manger l'Aston Martin de Yep. Ah. Il est à la fin du secteur 1, il est en plein milieu de la piste. Attention parce qu'on a Faras qui arrive. Non, c'est bon, la voiture a disparu. Oh, Ah 5 places non. de pénalité pour Benito. Eh oui. Bah Benito, dans les stands, je pense qu'il a pas freiné assez fort. Il a cassé son aileron, Clark arrivait derrière et Clark l'a touché. Aïe Oui, aïe mais je l'ai vu, on aïe. l'a vu brièvement en train de faire une marche arrière parce qu'il avait loupé le pit. Alors, la Clark hein, pour l'instant qui est au stand. Ça demande Clark dans le chat, mais. Ah mais Clark, je pense que là il va. Je pense pas qu'il ressort. Enfin, peut-être tenter un tour en soft, mais. Bon, au début, personnellement, je me mettrais sur Clark au start. Hein, parce que
vu qu'il roule avec l'ABS d'habitude. On va voir sa dinguerie là. Il fera ce qu'il va finir son tour ou est-ce qu'il rentre? À mon avis, il rentre. Ah Ouais. ouais. On peut se mettre sur qui? Il y a la Ferrari, Samir, là, qui est. Ouais. Non. Ah, il va Samir lancer qui son va tour. lancer son tour. D'ailleurs, bon. On va le suivre. Samir, quand même 6 dixièmes au moins à Ah, l'échappée c'est pour. cut avant le dernier virage. Est-ce que c'est pas cut pour Et si, c'est cut Ah, il est pour le là. tour. Ouais. Ouais, je pense j'avais vu mais je pensais que non Ah si, quand tu cut comme ça, un virage de la mais ligne, c'est mort pour le suivant. Noskiki est bas de fou. Bah ouais, c'est qu'en fait j'ai pas. Je sais pas ah mais c'est comment je peux pour faire sur OBS pour séparer la voix de Noski et le son du jeu. après Donc, tu penses il y a moyen soit moi je mets ma voix trop basse genre attends je te bah demande. sur Discord j'ai mis ta voix à fond, mais vraiment t'entends pas. Attends, Hein. moi je vais peut-être voir si j'ai quelques paramètres ou pas. Noski, le micro réglage, ça fait deux. Non mais Tu veux pas surtout. investir dans un vrai micro casque? Mais oh mon casque il coûte 100 balles hein. Ah Je ouais, l'ai bah acheté dans le frère, tu t'es PS. fait arnaquer. Je l'ai acheté dans le pack PS. Mais ouais, ceux qui sont en vocal avec moi ils pourront vous le dire, ça va être plus longtemps hein. Et attention, eh oui, là, qui est devant? C'est une Williams qui a Clem. gêné Salva. Non, Eh bah, je non, crois que c'est Clark. Eh oui, c'est Clark! toujours Clark les qui a gêné McLaren, c'est Salva bizarre dans ça. son tour. Toujours les McLaren, non, c'est choquant. Et là, le qui entoure 2 dixièmes d'avance? Qui ça? Le qui McLaren en P9. Ah ouais, mais putain, je le vois la chaîne à l'envers, moi, c'est chiant. Ah ouais? C'est Lucky Ah mais ouais, Strike. je l'ai en ami play. Ouais, c'est la chaîne à. Ouais, je l'ai en ami play, c'est pour ça. Ah ouais, c'est chiant ça. Ah bah, ça va qu'il a lancé un tour directement, hein, dû à la gêne là. Ouais, est-ce qu'il aura assez de batterie? Il a récupéré 75%, ça devrait passer. À mon avis, on va suivre devant Slazer et Warai. Warai 29 millièmes d'avance pour l'instant sur son temps. On va voir la fin du premier secteur de Slazer ou pas. On va voir. Slazer 82 millièmes, ouais, les deux sont en amélioration. On va voir Croco, est-ce qu'il a une amélioration aussi? Croco, non, 1 dixième de retard. Elite, 3 dixièmes de retard. Sparta qui franchit la ligne Sparta, en quatrième P7. temps, une 34-2, bien joué. Il y a une McLaren qui arrive. Lucky Strike, septième, une 34-9. Clem Boulet qui rentre. Et ce qu'on a McLovin back seulement un également. millième devant la Ferrari, hein. Alors attendez, parce que là c'est un peu le bordel, j'arrive pas à trop à suivre. On a Warai qui termine son tour. Est-ce qu'il est en avance? Je pense qu'il va nous lâcher un tour digne des plus grands. Je Deux pense qu'on est dixièmes d'amélioration. à Slazer avec seulement 23 millièmes d'avance. Est-ce que ça va. Je pense pas que ça va être suffisant pour aller chercher la pole aujourd'hui. Avec une Alfa Romeo qui gêne devant en plus. Visuellement, c'est pas le top. Oui, il améliore pas 7 du coup. millièmes d'avance. Ouais. Croco qui abandonne son tour. Ça va bientôt être fini pour cette qualification. Ah, ça va, 2 dixièmes d'avance qui arrive sur la ligne. Ah, c'est Et juste très devant loin. son coéquipier. Ah, 80 millièmes seulement. Est-ce qu'il y a quelqu'un en tour encore? Ah non. Ah Et c'est fini pour cette qualification. je pense que nous avons la grille pour cette course. Et encore une fois, Mercedes et Aston Martin qui sont dominants. Hein. Mercedes avec la P1 et la P4. Mais on a aussi une écurie qui n'a pas marqué de points pour l'instant, qui se retrouve P3 avec Croco. Et ouais, ça annonce une belle course.
Faudrait que je regarde sur OBS comment je peux. Ah, on voit que Warai quand même C'est chiant. met 4 dixièmes à la P2 hein, et plus de 1 seconde au P5. Et c'est. À partir de la P5, il y a tout de suite 5 dixièmes de différence. Warai, c'est aussi un solo que Verstappen. Et du coup, on a Clark hein, qui copera d'une pénalité de 5 places sur la grille. Ah, il commencera donc dernier. Qui Hein. partira dernier. Du coup, je voulais vous faire un point classement après la première course. Donc on a Warey, il est chiant à dire son blaze. Premier vainqueur de cette Ligue C. Suivi de The Italiano, qui n'est pas là ce soir. Je Ouais. crois. Oui, problème de PC, mais du coup, ça. Ouais. Il se met une épine dans le pied hein, pour la lutte au titre. Ouais, c'est que le début de saison, mais c'est vrai que de louper une Ah, course, ça après, c'est jamais si. bien. Si Warai gagne, ça fait quand même 38 points d'avance, 36 points d'avance. Mais bon. Problème de PC italiano, ouais, d'accord. Ça fait chier. Donc, du coup, on parlait des pénalités qu'elle a à avoir en course. Bah, les pénalités en Ligue A, ça. Et après Safety Car, ça a coûté la win à Mercedes, à NAM. Ouais. En Ligue B hier, ça a coûté la P2 à Zizou, qui du coup avait pris 6 secondes et n'était plus dans la fenêtre de pénalité de Ouarzazate. Ouais, les Aïe aïe aïe. pénalités, terribles, hein, sur ce Grand Prix. Terrible. J'ai pas regardé la Ligue B hier. Je t'avoue que j'ai dû me coucher un peu tôt et. Du coup, il faudra que je regarde le stream. T'as fini combien toi de ski lundi là en Ligue A? Ah bah moi lundi j'ai tout perdu hein. Bah j'ai fini P7. J'étais P3 à l'ASC mais après je me suis effondré au niveau du rythme et j'ai fini 7ème. Putain, puis moi qui me fais toucher et qui te sort en même temps au J'ai vu T1. le domino sur la rediffusion hein. Le premier virage était assez terrible hein, en Ligue A. Bah, Ligue B, ça s'est bien passé le premier virage, aucun problème. Ok. Le tour de Bon. formation est lancé. On va voir le détail des pneus. Ouh! Ça choisit l'agressivité pour Croco Elite en poussant un pneu soft. Ça paraît sur une safety car assez tôt dans le Grand Prix.
Oh, ouais, il y en a pas mal qui partent en soft là. Ah, le P14 et P17. Est-ce que ça va payer? Si pas safety car, honnêtement, pas une très bonne stratégie, hein. Parce que là, les softs, ils font quoi? 5 tours? Non, un petit peu plus, je pense. Ouais, mais il finirait sur les hards, mais il finirait sur les hards à 80%, donc pas de rythme en 15 tours, enfin pendant 10 tours et tout. Puis après, on a le P1, le P2, le P4 et le P5 qui partent en hard. Sinon, ça part en pneu assez tendre dans le midfield, en medium. Medium pour la Ferrari, medium pour les McLaren. Et ensuite, ça part en. Les gars qui partent en soft, ça sent la SCT1. Ah, Ah mais on sait pas. mais on a des Soft, ils sont stratégies assez fous. homogènes, hein. C'est pour les proposer un assez beau grand prix, on espère. Ouais. Parce que là, partir en soft, soft, tu fais quoi? Je dirais que tu fais 7 tours en soft, je pense. Tu fais 7 tours, mais t'as 3 tours dans un bon rythme, quoi. Après, c'est Ouais, ça se mort. dégrade assez vite. Ouais. Est-ce que tu nous as un petit favori là? Tu penses qu'il va gagner ce Grand Prix? Ouais. Ouais, franchement, Ah, les deux se valent tellement en fait. bah, les deux Quand on premiers, ouais, de toute analyse. façon, ils vont se battre, ils vont se battre. Croco, avec ses soeurs, je pense qu'il va aller s'inviter à la fête, mais qu'est-ce qu'il va pit très vite comparé aux deux. Je sais pas sur quelle stratégie est parti Croco en partant en soft. Il veut peut-être push dès le début et s'écarter, mais. Je vais mettre sur Croco pour le départ pour voir s'il va réussir à. Moi, j'aimerais bien avoir la vue qu'on a. On voit tout le T1 du haut là. On voit tout le Ouais. monde. Mais je crois que tu te mets en mode la caméra assez loin sur le P1, il me semble, non? Ouais. Warai et Croco déjà qui sont mal placés sur la grille. Petit détail, mais qui peut faire une grande différence, hein. Comme Boulet aussi, bon. Je vais mettre les détails de changement de position pour le premier tour. Combien la pole? La pole, elle était faite en En 33,4. 33.416. Allez, Nous ça sommes va partis pour le Grand Prix partir. des États-Unis. J'espère avoir la bonne caméra au T1. Je me suis mis dans le midfield moi pour voir. Oh, très bon départ de la McLaren. Hein. Ah, malheureusement, ça fait fermer la porte. Très bien. Putain, Ça non, j'ai casse pas la bonne pas. cam, fais Oh, chier. un gros dive bomb de McLaughlin Back hein, qui vient d'assez loin. J'ai pas eu la bonne cam, je suis dégoûté. Ça s'est bien passé, mais ça se barre hein, dans les S Ouais, là. y a pas eu de. Y a pas eu de spin, y a pas eu de contact. Y a eu un gros dive bomb apparemment, t'as dit? Ouais, bah ouais, j'étais sur la cam de Sparta, je crois, et ouais, ma Coving Back qui a fait un dive bomb assez risqué, je dirais. Attention à l'accélération ici, ça peut spin aussi. Là, départ catastrophique pour la Mercedes de Sparta, hein. 4 places de perdu, hein, les pneus hard au start. Et Ouais. ensuite Croco qui attaque Sensor. Avec les pneus soft forcément. Où ça bloque. Oh, Oh, ça ça monte légèrement en se. Ouais, midi. c'est Aïe large aïe pour aïe les aïe deux. aïe aïe. J'étais sur. Oh Sensor, oh là là, c'est Croco vite. Oh wow, Sensor qui a tout perdu Oh, suite à attention, l'approche il y a de une. Croco. Qu'est-ce qu'il fait, Slazer? Ah, il a Oh tout là, là attention. là là, comment clavage. C'est Oh, Slazer mouvementé. a tout perdu. Aïe 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 aïe. Et Clark qui a gagné 4 positions. Mais on voit les pneus sur cette course qui marche très bien. Elite qui a commencé P6 et déjà P2. Croco lui qui a perdu une place sur son accrochage avec Slazer et ouais, Croco. Croco qui est vachement prudent à la réaccélération en soft quand même. Il pourrait, il y a un Oh, drapeau jaune drapeau dans le jaune, ah c'est secteur 1. Clark. Ouais, c'est Clark.
Leclerc qui a dû monter sur le vibreur intérieur. C'est reparti. Et on a Elite P2, incroyable. 4 positions de gagné pour Elite. Bon, bah, il est en soft, mais pour l'instant, il a fait bon usage de ses pneus. C'est la McLaren là. Et là, ce qui semble être passé, là, non. La McLaren a leur accélération, meilleure traction. Ah, ça use beaucoup de RS pour les deux. Hein. La McLaren qui est déjà à 30% au bout de 2 tours. Ouais. Pas un très bon bail, ça. Derrière, on a Benito sur Aikinono. Ça passe. Meilleure accélération pour Aikinono qui replonge ici. Attention, le contact. Pas casser des ailerons bêtement comme ça. Et on a Lucky Strike hein, qui colle Faras. Bah là, Oh, il y va par l'extérieur. Ouf, c'était osé là. Hein. Là, c'était. Ça, c'est... Ah, oui, ça sort large. Et là, il perd toute l'accélération qui se fait dépasser par Benito. Ah, triste départ pour le McLaren. Hein. Le contraste entre les deux là, avec Salva qui fait un très bon départ, qui se retrouve P5 et le kick qui se retrouve P11. Devant, qu'est-ce qui se passe? Croco, déjà les pénalités, hein. Ouais, Croco qui vient de prendre 3 secondes pour avertissement. On a Clark qui a spin. Au T1. Ah, comment, bah, Clark en perdition. Est-ce que c'est le setup ou quoi? Je pense Elite, que... ouais, avec les softs. Jusqu'où il va aller, Elite, avec ses softs? Ouais. Parce qu'il est dans le rythme, on va dire, de Warai, mais. Ouais, en tout cas, Croco qui va sûrement attaquer Clamboulet là, à l'intérieur. Ah, Clamboulet qui sort. Ah non. Pour moi, give position back. Hein. Ouais. C'est pas très fair. Hein. Côte à côte, les McLaren. Oh, dans on a Clamboulet qui vient de spin. Je sais pas s'il y a eu contact avec Croco. Faudra voir ça plus en détail. Ça sort large pour Slazer. Attention aux pénalités. Et attention de ne pas trop abuser de ce virage, de sortir large. Derrière, on a un peloton de 4 voitures. On a Samir qui attaque Lucky Strike. Oh, attention, ça ouais. Coupe devant. Allez, Doas. Faras sur Benito. Ouais, faut pas faire de dinguerie. Ah, Lucky Strike qui prend 3 secondes. Les pénalités qui tombent. Et là, il était Croco qui a l'air de perdre beaucoup de rythme sur ses points là. Ouais, la Ferrari de Samir qui est sortie de nulle part. Oh, les trois sont très proches là, la Ferrari, la McLaren. Samir va y aller sur Faras au freinage. C'est propre. La McLaren en profite sur la Haas. Ouais. S'oser par l'extérieur, s'oser. Ça se laisse à la place, c'est propre. Là, la McLaren va avoir l'avantage. Oui, ça accélère beaucoup mieux. Loupé, la McLaren qui en profite. Ouais, Samir qui s'est loupé. C'est totalement le scénario opposé de ce qui s'est passé. Oh, hier, il l'a perdu. Et Samir qui abandonne. Oh, à mon avis, Samir, il a dû. Ouais. Oh, les deux spins, attention devant. Aikinono avec Yep. Oh, attention, il y a des contacts encore ici. Descasma qui a bousculé très clairement Lucky Strike. Très mouvementé là. Il n'y a pas de safety car? Non, il n'y a pas de safety car. Ah ouais, mais elle en réduit, c'est pas possible.
On vient d'assister à un enchaînement d'actions. Là, il y avait des très grosses batailles. C'est parti pour l'open lobby. Sparta qui est, après un mauvais départ, qui est revenu, il me semble, dans le train DRS de devant quand même. Est-ce qu'il y a des dégâts pour des voitures d'Escazmike par exemple? Non, ça a l'air d'être. J'ai regardé sur le kit, perso ça a l'air d'être bon. Et là on a Farah sur Benito. Oui, les deux As. Ah, et DAS qui est plusieurs tours se donne le DRS. Il y en a un qui double l'autre, l'autre double l'autre. Le qui d'escale, oh là là, le qui ça glisse, hein, le qui faut pas faire gaffe à trop attaquer. On a Elite qui perd beaucoup là sur Ah, By coucou Box Keybox. d'ailleurs. Ah bah il était bah, des soft Keybox, hein, C'est pas ouais. qu'il perdait du temps, c'est qu'il boxe tout simplement. Alors, des softs pour des médiums. Ça va Ah être une non, ça c'est strat une à deux stratégie à arrêts du deux coup, hein. arrêts. Stratégie très agressive. Hein. Ouais. Et Peut-être je me qu'il. rappelle maintenant qu'en open lobby avec Elite, il a dit qu'il préférait faire deux arrêts. Ouais, Je parce viens de m'en que. rappeler maintenant. Les hards ici, c'est pas facile. Ouais, je te confirme. Mais du coup, on a maintenant bah, Slazer à 7 secondes 5 de Warai. Hein. Eh oui. Est-ce qu'il n'irait pas aller chercher sa deuxième victoire d'affilée? Les pénalités qui commencent à tomber là pour les pilotes. Peut-être certains qui commencent déjà à s'impatienter. DRS ouvert pour Clem Boulet sur Descaz Mike. Oh la VMAX qu'il a. Il l'a mangé littéralement. Ça économise bien la batterie chez certains pilotes. Bon bah pour l'instant c'est calme hein. Bah là il n'y a plus de train DRS hein. Voilà. À Si, on part a le des Croco sur Descaz Mike. ah mais le train DRS de devant il n'y a personne qui est dans le DRS de quelqu'un entre Ouais. la P10 et mauvaise sortie pour l'Alpine. Qui avait le DRS sur Clem Boulet quand même. Hein. L'Alpine. Hein. Un coucou à l'intérieur, un Croco qui Despair qui passe, sort large. ça sort large pour. Je pense qu'il a préféré sortir un peu large. Alors que devant on a une AlphaTauri qui colle Benito, c'est Hassanoul, pardon. Il va avoir sa chance. Dans la ligne Elias, droite. très bien positionné, hein. Ouais, pour 6-6-6. l'instant c'est pas mal, hein. Après, on a eu deux pilotes qui sont arrêtés déjà. Ça a utilisé le As ici. Ah, déjà 6% de batterie pour. Ouh, ça va, c'est. Bon, ah, ça tente le décroisement pour Benito. Ah, meilleure traction pour la Clatory. Et redécroise ici, ça va passer Petit bloqué. pour Benito. Très belle manœuvre. Oh, Lucky Strike qui va sur Clem Boulet, mais meilleure réaccélération pour l'AlphaTauri. Avec qui il doit se montrer très prudent ici hein, après le spin qu'il a Ouais. fait tout à l'heure. Ça glisse, ça glisse. Ah non, 6 secondes déjà en 8 tours pour la McLaren. Ah, ça c'est un mauvais.
Qu'est-ce qu'il a fait le Keystrike? Pourquoi il a laissé Je sais passer la... pas, j'ai cru qu'il allait se mettre dans le mur. 2 secondes. Non, il a laissé passer Croco, il a peut-être profité de sa vitesse, mais en soi il était A. Ah oui, Samir il avait été. Je pense que Samir a été. Ah mais il manque une deuxième Ferrari aujourd'hui, je viens de remarquer là. Ouais. Oh, puis on Ah a merde. Benito qui s'est complètement loupé là sur le début de secteur 2, qui a perdu 2 places. Qu'est-ce qui se passe pour Benito? Ou éviter de mettre le RS pendant le virage. Oui. Elite Code One qui va y aller sur Asanul, qui n'a plus de batterie, qui est déjà en rechargement de RS. Et ça passe tranquillement pour Elite, bien joué. Bah Elite finalement avec sa strat. Oh, on a Salva qui passait sur McLean back. Ouais, je viens de voir Salva ça. qui était quand même assez loin, hein. Je pense qu'il y a eu une erreur de la part de. Et on a Sparta qui remonte aussi hein, sur les deux pilotes. Qui est pas si loin que ça. Qui est dans le DRS. Et il l'aura pas sur cette ligne droite. Oh, McLean back qui va faire le tour du McLovin Tourcoing. Bac qui prend sa revanche. Ah, Salva qui c'est sort ouvert mieux. chez lui, Ouais, voilà. McLovin Bac s'est loupé là sur le freinage. Attention parce que c'est pas Oh, fini meilleure hein. trajectoire pour l'Alfa Romeo dans le. Oh, c'est laser. Ce laser qui prend 3 secondes, c'est dur. Il est retourné, McLovin back. Mais McLean Beck qui manque de RS hein, devant 1%. Ce qui va tout utiliser, à mon avis, le DRS suffira. McLaren qui n'utilise pas de RS. Assez grosse vitesse de pointe quand même, sans DRS. On va tenter le décroisement aussi. Là, il a Oh, glissé à la récupération. ouais. C'est ça, hein, de vouloir croiser, décroiser, c'est de Ouais. vouloir se précipiter et du coup de glisser. Et Et on du coup, a ça met la Mercedes de Sparta dans le DRS. Croco qui est passé sur Benito. Mais c'est pas fini, attention. C'est proche. Oh, c'est large pour Clem Boulet. Attention de vraiment pas abuser de ce. Ah, Clem Boulet qui a déjà été réprimandé en Chine. Ah ouais? Quand dirait utile. Bah ouais, bah, tu sais, le dernier virage. Ah, en Sur le qualif? gars. Non, non, en course sur. Non, en course? En Chine, c'est quoi? C'est 32 tours? Ouais. Ouais, bah sur 20 tours, il sortait large. Ah ouais, Hein. d'accord. Ah, Zach qui a été réprimandé, on fait gaffe à utiliser tu trouves encore. Hein. Je pensais pas qu'on trouverait des glitches dans un jeu de Formule 1, mais bon. McLovin Bac qui va y retourner ou pas sur Salva, c'est un peu. Ouais, ça zigzague, ça sait pas trop où plonger. Clairement, ça aurait été osé. Sparta qui reste dans le DRS. Sparta stratégiquement mieux placé que ses deux adversaires devant lui. Hein. Ouais, et puis beaucoup plus de batterie de conserver. Benito, Clem Boulet qui est passé sur Benito. Oh, ça bloque les freins. Ça bloque les roues, pardon. Et on a un Ça va pit se du prendre. côté de Salva. Ça me paraît tout, Salva non? qui Oui, rentre au Arsenal. stand, on se tourne, c'est pas beaucoup sur les médiums. Ouais. Oh, Il quoique. est peut-être tenté. C'est pas 12 tours? Bah, ça fait 17 tours sur les hard, ouais. Je crois que c'est Je 12 pense sur que les c'est médiums, 17 donc tout tout, peut-être ouais. qu'il sentait qu'il perdait un peu de grip.
Peut-être tenter l'undercut sur. Enfin, il était devant, mais partir devant d'un point de vue Undercut max. très fort, ouais. Après, faut qu'il fasse un bon tour de sortie sur ses durs, sur sa gomme fraîche. Elle chauffe assez vite la gomme dure quand même ici. Ça va qu'à avoir du climat, hein. Les voitures devant se tapent 2 secondes. Ouais. Et devant on a un spin de Hassanoul. Attention à pas revenir trop en piste justement. Et puis les deux devant qui sont assez au même, clairement. Ah, clairement, Warai est dans un no man's land complet. Il est tout seul. Il a 10 secondes d'avance sur Slazer, qui a une pénalité, 3 secondes. Warai qui fait l'opération Donc le parfaite. bac qui rentre, on va voir tout de suite si ça va faire un bon tour de sortie ou pas. On va se mettre donc du coup sur Salva. Ce qui va ressortir devant. Oh oui, ça va ressortir devant pour Salva. Pas sûr. Hein. Ah Ah non. non, ça ressort devant pour la Ah ouais, non, Formule il 1. ressort devant. Est-ce qu'avec le pneu froid, justement. Ou est-ce qu'il a été gêné un peu par le trafic aussi? Ah, c'est dommage. Bon, il ressort pas non plus super loin, mais il y a une voiture entre les deux. Oh, attention Ah, les... ça va, ouais, enfin, c'est large, hein. Ce serait bête de prendre une pénalité. Ah là, la As qui va faire perdre Beaucoup de temps, ouais. le DRS un peu sur la Formule 1. Là, Benito qui fait pas les affaires de Salva. Yep qui prend les S avec le mode RS activé. Qui Donc ça? une grosse paire de Yep, une grosse paire de couilles, hein. On va voir si c'est pas un bon d'affichage, hein, mais. Il est en carrière, il a un problème technique, le RS RS activé, hein, parce que il l'a pas lâché depuis le début du tour. Dans le virage. Peut-être qu'il a oublié. Oh, ça plonge pour Salva sur Benito. Ah, grosse perte de temps pour Ah ouais, savoir. mais là, il se dit, faut que je le passe au plus vite. Il me gêne. Benito qui vient de prendre 3 secondes de pénalité. Qu'est-ce qu'il fait? Il retrace la piste ou quoi là? Il est roulé sur les vibreurs. Ah, je pense qu'il voulait laisser de la place Salva et Ah le ouais, pauvre parce qui qu'il tombe à rentre au l'intérieur. stand. Ah, beaucoup de temps perdu là pour Salva. Clark qui prend 3 secondes. Ah non, mais Yep qui ne lâche pas son RSA, drapeau jaune. Ah, c'est Clark. Ah non, mais mets-toi sur la cam de Yep, il ne Ouais, lâche pas son RSA. mais non, mais je crois qu'il a. Non, là, il est Ouais, il enlevé. vient de s'en rendre Mais compte. il le met à des endroits improbables, son ERS. Ouais, j'avoue. Après, je veux Bon, bien Warai qu'il ait des vraiment. aides ou quoi, mais bon, quand même. Warai vraiment dans un autre monde, à chaque tour on voit le gap sur Slazer qui s'agrandit. Ah là je pense que même à la régulière ça aurait été difficile d'aller chercher. Ah et ça va les 3 secondes.
Ah, ce plan magnifique là avec le la grande tour derrière. On propose des images de qualité sur la VMW F1. Le kiosque en... Où ça glisse, c'est pour Kinono là. Ah, pour l'instant il n'y a pas de bataille. Non. Éventuellement Benito sur Aikinono et un petit peu plus loin Lucky Strike. Des races ouvertes. Ah, il essaie pour nous mettre bien, enfin, c'est visuel, enfin, au niveau spectateur, ça nous met très bien. Oh, ça bloque les freins pour les roues pour Benito. Meilleure sortie pour Aikinono. Est-ce qu'il va y aller par l'extérieur? Aikinono qui a freiné très fort. Meilleure accélération pour Benito, il s'est passé. Voilà, ça cut. Benito qui roule sur les Enfin, vibreurs, mais Benito, là ça sort il a du encore. mal à rester sur la piste, hein. Et là, c'est large. Wow, comment il cut Benito là? Oh, il en a plus rien à foutre, hein. Il a déjà les pénalités. Sauf qu'Aikinono n'en a pas, donc on a les 4 premiers qui sont pas encore arrêtés, hein. Qui vont avoir 15 tours sur leurs pneus durs. Lead qui boxe. Pour remettre des médiums et aller jusqu'au bout. Et en soi, quand on regarde bien, c'est pas une si mauvaise stratégie en soi, hein, parce que... Mais après, est-ce qu'il va réussir à en faire une différence au niveau du rythme et rattraper devant? Ouais, Benito qui était propre en début de course et file des tours. Et là, pareil, ouais, c'est la queue à l'avertissement qui roule dans le même rythme. Ah bah, par lui, il boxe. Ça y est, Bon, encore l'arrêt au pas, stand du quelques millimètres. leader. Est-ce que ce laser va tuer? Ah, ce laser continue. Est-ce que Sparta a eu la boxe? Sparta boxe. Est-ce que Faras le suit? Faras aussi. Ah, Croco le suit aussi, hein. Bah, tout le monde boxe, hein, j'ai l'impression. Hein. Oh, il y a une voiture à l'arrêt, c'est...
C'est Hassan, je Hassan, crois. ouais, qui a perdu dans le quadruple droite. Et les repères, bah oui, les pneus chauds là. Les pneus, Attention à pas rester attention quand ici. Faut même. vite dégager parce que là, ça arrive fort. Oh là 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 là! Une voiture qui partit large à droite pour l'esquiver, sauf qu'il avait en même temps sa faille zéro Là, écran. c'est Benito. Et attention. Oh là là là, ça là. Là, c'est. Là, quitte à être à 20 km/h, faut pas mettre de gaz. Hein. Ouais, ou Surtout quand après tu as une tu sushi repars pas en pareille, c'est 1 pas quoi, souvent quand le t'as les cas. pneus chauds. Hein. Tu repars minimum en 3 quoi. Bah là, ça là, Mais la 8ème. Reparti en 8. ah, même en 8, je pense que si tes pneus sont chauds. Non, ça patine pas quand même. Ah, Ah changement bah d'aileron ça va pour mieux. du coup Asanul, il perd tout là, hein. Il perd clairement tout. Ah bah L'arrêt de Slazer, un tour après Warai, qui va pas peiner à repasser devant. Là, qui va avoir encore plus de rythme et il a sa batterie complète. mais du coup, on parlait de la stratégie d'Elite, mais là, du coup, Elite qui bat bah, avec Sparta et Forrest qui, eux, ont fait qu'un arrêt. Hein. D'ailleurs, Elite qui vient de passer. Ouais, Elite qui fait une Elite, très belle bah, course Elite, là. quand même, à 5 secondes de Sparta, mais franchement, stratégie grotesque hein, pour l'instant. Où ça se bat entre la C et la B. Bon, est-ce qu'il va tenter dans les S? Oh ouais, non, mais ça aurait été. Ah Oh non, Elite qui prend non, 3 secondes. non. Ah, c'est triste. Et ouais, là, ça fait les affaires de Faras, hein. Elite, il a la manette, non? Ah ouais, il était manette. Ouais. Ah, c'est dur à aller sur la manette. Hein. Putain, franchement, je sais pas comment vous faites pour jouer manette, hein. Benito qui est au bas. Est-ce que ça va nous étonne maintenant, Benito qui refait le tracé hein, avec nos... Ah, il fera si vite, ça se bat fort. Hein. Ouais, meilleure accélération pour Elite. C'est Croco qui remonte. Ah, parce que là, du coup, maintenant, Croco joue sa course contre tous les 2-3 secondes de pénalité. Sparta sur Salva peut-être. Ça va mieux accélérer pour Salva. Oh, ça a cut pour Elite. Un petit peu. Oh, c'est. Elite qui loupe un peu la trajectoire, on a Faras aussi qui cut, à mon avis il y a deux Averto. Et on a un drapeau, c'est Yep qui a spin. Attendez. Si si c'est Yep, ok. Non, je vais te faire un point avertissement. Bon bah, Wraith et Slazer sont dans une autre course, on va pas regarder. McLovin Back, il y a zéro avertissement. Sparta qui est passé sur Salva. Ah, Sparta, qu'un avertissement, hein, pour l'instant. Et yep, hein, pareil que Hassanoul, hein, les pneus chauds là, il n'arrive plus à repartir. Et c'est très serré entre Faras et Elite, ça se bat encore. Le plongeon. Bon, je pense que du moment où il est, il aura plus de boxe. Oh, la Hein. traction de Elite par contre, c'est. Il a des aides, Elite? Bah. Que bah, les aides de l'AXE. Hein. Ouais, il a l'antipate, ouais.
Ouais. Pourtant, un écart de pneus qui est pas si grand que ça, hein. C'est Bah non. limite qu'il y a des pneus moins frais. Il y a le Croco aussi derrière, hein, qui est basé sur Faras. Oh, secteur 1, secteur 2. Oh, gros Ouais. crash. Crash, je dis gros crash. Non, c'est juste J'ai Yep qui est vu sorti. plusieurs voitures. Du coup, ça c'était crash. Ah bah, Yep avec ses pneus chauds qui. Tout à l'heure, l'enchaînement. Avec Clark aussi en. Face spin. Oh, la VMAX de la Williams de Croco. Ah ouais, c'est quelque chose, hein. Et là, Élite qui Croco pouvait rien fait une faire. très belle course. Bon, allez, 3 secondes de pénalité, mais ça va pas le chambouler plus que ça. On a besoin de secteur 3. Ah, c'est Yep. On va Yep. Yep qui boxe. Hein. Il faut changer de pneu. Tu vois, à mon avis, qui va même, je pense qu'il va même DNF, non? Ah, ouais, on va continuer quand même. Ah ouais, je me disais aussi, ouais, DNF. Abandon de Je me Yep. disais aussi. Est-ce que tu penses que Sparta avec ses médiums, il peut rattraper? Ça me paraît chaud parce qu'il va avoir un bon rythme à la forme quand même. Ouais. À voir, à surveiller. Il reste 7 tours. Ah, c'est. Oh, c'est le bot de Yep. Ah, c'est bad de Yep, donc. Ah bah ouais, il faut dire 3 secondes, mais est-ce que ça change vraiment quelque chose? Attention, un safety car tour 25 et McLovin back. Un scénario improbable, mais rien n'est possible. Je te dis rien là. Oh, normalement. Oh, le freinage manqué de Clem Boulet. Sparta, il remonte pas assez, je pense, pour aller chercher McLovin back là. Maintenant. Tu que Clamboulet va y aller sur le lit, ce qui va mettre de l'ERS. Ça prie pour une safety car dans le chat. Hein. Ah bah, à couper 3 secondes.
Bah, ça met maintenant bah, Elite. Pour l'instant, Elite P6 virtuellement. Bah, ça prie pour une safety car, à mon avis, carte court, hein, vu qu'il est pas trop informé. À mon avis, c'est lui qui prie. Mais j'avoue, pour le divertissement, l'entertainment, tout ça, bien. Fin de course, relancement sur un tour, tout le monde en soft. Enfin, attention. Et là, toute la glisse s'est pris une pénalité là, Ouais. par Akinono, Hassan, Sparta et McLeanback. Hein. L'expérience paye. Hein. Et Hassanoul aussi, malgré tous ses spins, il n'a pas pris Ah bah, de merci. peine. Bah, quand on parle de En spin. parlant de lui. Parlant de lui. Il y a même Slayer qui passe devant. Ah, c'est compliqué la accélération ici, hein, quand même. Hein. La gueule ou quoi Elite qui a un setup full appui, hein. Il avait le DRS, il a même pas remonté, il est même pas remonté sur Clemboulet. Ah, c'est pour ça que tu me parlais de sa traction tout à l'heure. Je pense qu'il doit être beaucoup chargé à l'arrière. Ouais. Sparta qui est remonté très fort hein, sur McLovin back. Ah mais j'ai vu McLean back bloquer les roues plusieurs fois quand j'étais venu sur la ligne. Ce qui serait pas un peu en perdition avec ça comparé à son regard médian en début de course. Carpet qui devient fou dans le chat. De quoi? Carpet qui devient fou dans le chat là en voyant Sparta remonter sur son pilote. 38. Le dernier tour de Sparta était en 38-1, le dernier tour de McLeanback était en 39-3 à mon avis, il y a eu l'erreur. Parce que ça fait 1 seconde 7 de repris en un tour. N'a pas le droit au bonheur, putain. Ah, je la connais cette phrase, dis donc. C'est la Ferrari, tiens. Ouais. C'est dur. Hein. On continue. L'équipe pushing. Oh, on a un spin de Oh, de Croco, non! Croco. Eh oui, Croco qui est. Non, la course était belle! Oh non, la course Est-ce était qu'il y aurait eu un magnifique! contact? On va revenir sur Sparta parce que là, il reste 3 tours. 4. 4 tours et. Ouais, je vois que ça comme action qui pourrait rester dans le Grand Prix, à soulever les écarts entre tout le monde. Là, s'il fait aucune erreur, Sparta, il peut être facilement dans la zone DRS pour la prochaine ligne droite. Les deux n'ont pas fait d'erreur, donc ça va être compliqué du coup. Gros bloquement de groupe pour Faras, mais Elite, tout ce qu'il gagne dans le secteur A, il perd dans le secteur B. Hein. Ouais, de toute façon, oui. Sparta qui est bientôt dans la zone DRS de McLovin back.
On a fait une Mac qui est à 5% de ça. Ouais. Spartan voit que ça clignote, il dit que c'est le moment de jouer. Là, faut que Darius fasse la différence. Hein. Même si les pneus commencent à être un peu fatigués. Et si Sparta passe McLaren back, ce sera le même podium que la dernière course. Hein. Ah ouais? Ouais, une fois, ouais, c'est le même podium. Oui, La exact, oui. première année. Exact. Oh, drapeau jaune, c'est une As, c'est Benito, c'est Ouais, non, Sparta, c'est c'est Farace. Ferras. Il va falloir ceci qu'ils aient une belle course, dommage. Oui, DRS ouvert là pour Bah, ils ont Sparta. dit ça se jouera à dernier tour, hein. De toute façon, on va. Ça se jouera à dernier tour. Oh, ça loupe un peu le Ah bah freinage pour clairement, Sparta. Sparta n'a pas allé. Il faut y aller à fond quoi, des plus d'essence, il faut. Ah, faut y aller en Sparta. Là. Attention, parce qu'à tout moment, ils sont à 2 airs vers tout chacun, Ouais. et il y en a un qui prend 3 secondes. Bah je vais te dire ça tout de suite. McLaren back. McLaren back, lui, zéro avertissement, très propre. Et Sparta, il en a un. Ok. Ouais, je pense que personne prend la pénalité, mais. Attention à l'accélération. D'ailleurs, on a. On va dire qu'un bolet sur Salva, mais dans tous les cas, on va l'emporter grâce aux pénalités. Donc, Ça remonte, mais pas assez, hein. puis là, il a plus de RS. À mon avis, ça va être toujours dans le dernier tour. Chemboulet qui passe sur Salva dans le dernier tour. Ouais, mais je pense que ça va L'avant-dernier tour, rester à pardon. 3 secondes quand même. Ah, Spartak se rapproche de la colline back quand Ouais. Plus que 2 dixièmes entre les deux. même. Ah, attention les Berti, hein. Sort large, est-ce qu'il serait pas prêt à un avertissement là-dessus? Ah, ça l'a un peu déstabilisé de sortir large, Ah, il a perdu beaucoup de temps, Sparta. hein, surtout la 8 dixième. Et là, ça va être très compliqué. Ah là, c'est push-push, hein, Ah ouais, mais plus personne, il aura pas assez de batterie, malheureusement. ah, c'est qui? C'est Benito ou c'est Faras? C'est Benito, je crois. Il reste encore un tour, et oui, c'est le dernier, là. Ah, ma colonne back très propre hein, sur ses freinages et ses accélérations. Ça va peut-être passer pour McLovin Bach, qui l'aura tenu à Sparta derrière lui. Ça Ah, glisse pour Sparta qui a Sparta leur voulu attirer accélération. l'attaquer. Et là ça va être très trop loin Là, pour ça, à mon attaquer. avis, ça passera pas. À moins d'une avoir devant. La Formule, il aura son podium. Ah, bah, ouais, il franchit La déjà la fin de la ligne. course pour Hein. Warail. Waouh, avec bah, Désolé, franchement une belle réaction Slayer. on se met sur une autre POV1 hein, parce C'est que. une. Excusez-moi, Juno, c'est une bourrée. Hein. Clairement. Warail, il faut quoi en lycée? On se le demande, ouais. Effectivement. La Formule garde pas son podium. Ouais. McLovin Bach qui aura tenu face à Sparta. La Carpetto qui doit être en ébullition. Mais il y a encore Vélite, alors c'est son ami Mirage.
Et là, le classement n'est pas fixé parce qu'il y a tellement de pénalités que. Ouais, si là, après c'est fini. Rendez sur le podium, c'est incroyable ça. Ouais. Et tout qui doit. Et ben, zéro safety car. Ouais. Bon, elle a eu du mal à sortir quand même, parce qu'il y a eu le spin de Yep et il y a eu la volonté de faire en même temps. Ouais. Et bah c'était une belle course. Il y a eu de l'action, il y a eu des. Bon, un peu ennuyant sur la fin. Ouais, un peu ennuyant sur la fin, mais. Sinon, ça reste une belle course, hein. Oui, premier podium pour Alfa Romeo. Le vainqueur, hein, Warai qui. Qui va lui C'était du train pour lui là. Hein. même quand on regarde le meilleur tour 9 dixième à 16h c'est clair que sur ce GP en tout cas mais McLaren Bac qui commence plus 10 quand même McLaren Bac ouais. Ah mais là Warai s'il est aussi bien sur GP que sur tous les autres Je savais pas que la saison va être ennuyante pour lui, mais... Monter en Ligue B la saison prochaine. ouais, je pense que même s'il choque tout le reste, je pense qu'il montera quand même, hein. Bah, toutes les pénalités, ouais, c'est. Ouais, c'est terrible là pour le coup c'est vrai que c'est une boucherie hein, pour le coup Meilleur tour de Warai, hein. Une 35-9. Quasiment une seconde plus rapide que Slazer. GG Elite aussi. Belle ouais franchement course. vite il finit à sa Ouais. Ouais, mais en stratégie deux arrêts, c'était osé. Ouais, c'était bien, mais il finit quand même à 8 dixièmes de... Oui. Franchement, God Strat, je pensais pas que ça aurait aussi bien marché. Ben, GG à tous. Ouais. Je sais pas si tu veux faire les interviews. Bon, comme tu veux. Ouais, bon, je sais pas. Si tu veux les faire fêler après. Ah ouais, non, je pense. La dernière fois que je voulais faire, on entendait. Ouais. Ça Ouais, va puis être. là, ouais, ça se trouve, ça va être buggé, donc Ouais, laisse tomber. douteux, Bah, c'était cool en tout cas. Hein. Ouais, c'était bien Ah, sympa, moi aussi. c'était une belle course. C'est passé vite, n'empêche. Moi, du coup, je donne rendez-vous mercredi prochain et toi, mardi prochain. Hein. Et moi, mardi prochain pour la Ligue B, je serai présent cette fois-ci. Ouais. Et puis voilà, on se laisse là-dessus. Merci d'avoir suivi cette course. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour eh ben, Bisous. le Grand Prix de Bakou. Allez, ciao tout le monde, bonne soirée.